Bon, qu'est-ce que tu viens m'embêter? Bah, tu Je suis en m'as. plein boulot là, je suis débordé. Là. Ah oui, parce que moi, tu vois, je suis en tongs, en maillot de bain et je vais à la plage. Bah oui. T'es sérieux là? Tu m'appelles, tu me dis descends, il faut que tu viennes me donner un coup de main, je suis à Ouais. la bourre. Bah en fait, tu vois, c'est vendredi, donc c'est l'heure de la week story Tout pour est les rouleurs. permis. Tu veux pas prendre ça en main? Parce que là, Ben non, puisque je viens t'emmerder, tu gères, Bah non, mais débrouille-toi. ils vont être contents de te voir, tu vas Ouais. présenter. Faire la revue de projet avec toute la fourmilière, c'est sympa. Ben, j'ai pas le choix de toute manière. Moi, ouais, t'es content de me faire un Oui. peu. Je suis vraiment là. Oui. Trop de boulot aujourd'hui. Ben, comme tous les jours, hein, de toute manière, je te vois pas. Ouais. J'ai besoin de te voir des fois de 5 minutes au bureau, je te vois pas. On va pas régler ça devant tout le monde. Hein. Hein? Non. Bon, merci. Ben, vas-y alors, puis dépêche-toi. Hein. Oui. C'est les cloches hein, ce week-end. Ah, c'est la fête des. Les cloches. D'accord. Bon, allez. Enchantée, Greg, moi c'est Céline. Céline, ça me dit quelque chose. Ouais, on se voit pas souvent. Non, 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 non. Enfin, sauf au café, quand je réussis à me lever, mais. Donc, toi, là, tu es en train de lui faire un entretien. Oui. Donc, entretien, remplacement des bougies et quelques petits problèmes électriques à régler au niveau de l'éclairage derrière. Ouais. Et après, derrière, il y aura les quatre pneus, il y aura. Voilà. Ce sera après avec réfection des jantes. Ça marche. Et donc, toi, sinon, toute ta semaine? Beaucoup de choses, bien remplies. Oui. Bah on a peur que tu t'ennuies chez nous alors. Faut l'imagination pour s'ennuyer ici. beaucoup d'entretiens. Oui, je crois que c'était ta semaine. Oui. Beaucoup d'entretiens. Entretien. Alors j'ai fini le lève-vitre de la de Tomaso. Ouais. Qui fonctionnait pas. On attendait un pignon de remplacement. Donc on a trouvé un beau pignon en laiton réusiné à la place du pignon plastique qui était un petit peu fatigué. Oui, très souvent en plastique d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un petit peu délicat à remonter. Ça c'est bien fait. Donc. Terminé pour la de Tomaso. On attend la visite du client normalement pour qu'il nous valide tous ces oui. travaux-là. Je pense qu'il va être content de voir sa voiture roulante. Bah, en oui, plus, roulante, elle hein, tourne ouais. comme une horloge. Entretien sur une Porsche 968. Oui, tu as réceptionné une 968 oui. cette semaine. On a fait l'entretien dessus, vidange, les filtres. Et je crois qu'après, elle passe chez Sam en peinture. Et elle va prendre un petit coup de peinture pour qu'elle soit toute belle. Et puis, tu as eu ton fil conducteur, ça a été la traction pour la terminer. Oui. Alors, remontage de la culasse qu'on a reçu de notre prestataire, qui a été éprouvé, réparé, étanché. Donc, remontage. Donc, sur une traction, c'est toujours particulier. Parce que bah, c'est une voiture très ancienne, technologie très ancienne. Oui, et puis là, il n'y a pas longtemps qu'elle avait été refaite et elle nous a fait un petit coup de calcaire. Donc, ouais. Tu as été très minutieux sur ce coup-là. Oui. Donc, c'est une voiture qui a été refaite chez nous antérieurement, au niveau extérieur. Donc, hors de question de faire une rayure dessus. Ah oui. Donc, c'est très délicat. Il faut commencer par déposer les capots moteurs. Et voilà. Donc là, ça y est. Tout remontage, tout joint neuf, tout. T'as contrôlé. Testé, mise en chauffe, resserré, re-réglé. Donc là, on la livre semaine prochaine. Prête à partir. Prête à partir. Donc, la de Tomaso, la 968. La C1, la Corvette C1. La C1, tu as fait un diag dessus. Oui, alors ça a commencé par un diag. Très belle C1 d'ailleurs. Très bel exemplaire. L'harmonie couleur, elle est magnifique. Très, très belle. Espèce de vert bleu avec le blanc, ça va très très bien. Même si moi, je vois pas toutes les couleurs comme tout le monde. J'aurais plutôt dit bleu, mais bon, oui, c'est pas un bleu franc. Bon. T'as raison. Petit souci donc avec plein de choses, embrayage, échappement, frein à main. Donc tout ça, tu as déjà fait ou tu as juste fait le diagnostic? C'est fait, on a fait un dial, mais comme dans la foulée, c'était faisable. Tu as fait en même temps. On a refait, on a rectifié tout ce qu'il fallait. Je crois qu'on attend encore 2-3 pièces pour cette voiture, si j'ai pas de bêtises. Mais voilà. Bon, bah oui, bien chargé, une voiture par jour presque. Ouais, une et demie par jour. C'est rare chez nous ça. Hein non, mais c'est bien. Bon. C'est bien, c'est bien. Jérémy n'est pas là ce matin, exceptionnellement. Il y a des gens qui sont en congé. Oui, congé. Ouais. Ah, mais je sais pourquoi. C'est parce que lundi, ça travaille pas. Ah, c'est peut-être pour ça. Lundi, c'est férié. Donc là, faut qu'il cache les. Voilà. Ah non, mais faut pas le dire. Ils ont pris des. Il y a les cloches qui vont passer. Il est au courant, David, que lundi, il n'y a personne. Oui, oui, il est au courant. D'accord. Mais bon, c'est sa fête préférée, les cloches à David. D'accord. Le chocolat, c'est. Bon, bah, du coup, on va aller voir les carrossiers. A plus tard. Donc cette semaine, j'ai remonté une culasse sur une traction qu'on connaît bien ici, qui est déjà passée plusieurs fois. Et donc remplacement du joint de culasse suite à un problème de surchauffe.
Et sur la culasse d'ailleurs ont été remplacées les pastilles de sablage qui fuyaient. Une chose, un point très important sur des moteurs qui sont culbutés, c'est-à-dire on a un arbre à cames qui est décalé avec des tiges de poussée, des culbuteurs et puis les culbuteurs qui appuient sur les soupapes pour l'ouverture des soupapes. Il y a un jeu à respecter qui est très important, qui se règle. Donc il se règle une première fois à froid au remontage du moteur. Après la première mise en chauffe, on fait un premier réglage et après un dernier réglage final. Et c'est un réglage qui est important parce que les pièces se dilatent dans un moteur quand il se met en chauffe, les pièces bougent. Et il faut garder un jeu fonctionnel. Sinon, on a une contrainte qui risque d'abîmer quelque chose. Dans ces cas-là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de science infuse. Il faut s'en tenir aux préconisations constructeurs ou aux données techniques liées au moteur ou au véhicule. Et c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Toi, j'ai mon anti-sèche hein, parce que tu sais, comme je m'intéresse pas à ce que vous faites. Donc toi, t'as mis en polyester cette jolie demoiselle. Oui, là, c'est ça. Et aujourd'hui, on attaque le ponçage. Donc là, tu t'es mis ton guide de ponçage. Ouais. Et tu fais le tour aujourd'hui. Voilà, peut-être c'est pas, ça. Peut-être pas aujourd'hui parce que tu vas commencer. C'est à là, il y a un petit peu de caractère. Ouais, puis il y a du détail. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Il y a du détail. Et... Un peu plus long que la poire. Ouais. Ah, ouais. Bon. Donc ça, après, ensuite, j'ai fait les ailes de la TR4. Oui. Je les ai préparées, je les ai mis en après. Et t'as le traitement en dessous. Et après, j'ai fait le Black Sun pour que ça me puisse les mettre en peinture. Et t'as fait la magnifique Pontiac. Pontiac, où j'ai refait l'aile, on a déposé le capot, on a refait l'aile côté droit. Comme ça, ça m'a pu la remettre en peinture aussitôt derrière. Et après, j'ai fait tout le... Après, c'est pas rare. Après, oui, c'est pont-art. Quasiment toute la semaine. Oui, là, on a passé quasiment toutes les couches de... toutes les couches. Lundi, mardi, On a fait le V1 sur la pont-art. Donc, tout traitement volume. On a fait le polyester, la pose plus le ponçage avec récupération du volume. On l'a mis deux fois en polyester. Ouais, t'as eu des petits... Parce qu'il y avait quand même pas mal d'imperfections. Et puis, hier soir, je l'ai passé en polyuréthane. Donc elle est en PU, prêt à être poncée la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Bon. Donc en fait, semaine ponçage. Oui, c'est ça. Tu vas faire pour toi, pour moi. Non, ça va, je commence à m'y faire, tu vois. Je râle un peu après ma compta, mais je crois que je préfère ça que le ponçage. Non, tu t'y fais ? Je m'y fais. À part que le soir, avant j'étais plein de ferraille, maintenant j'ai plein de poussière. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est agréable, surtout quand t'as des volumes comme ça, c'est chouette, c'est agréable. Ouais, celle-là, oui. Elle va être vraiment agréable. Mais la semaine. Oui, bon, courage. Ça. L'importance de cette semaine, c'était le Black Sun sur les ailes de la TR4 à l'intérieur, qui sert à protéger des impacts de gravier que les roues peuvent apporter à l'intérieur de l'aile, et ça protège de la corrosion. Est-ce que les baguettes, c'est des vis par dehors ? Ouais. Je le mettais tout à la fin. Parce que je voulais être sûr avant que la porte soit bien réglée partout. Tu vas faire partir ? Je vais essayer, mais comme j'ai de Céline en contrepartie, c'est compliqué. Bon. Donc toi, Jensen. Ouais, encore et toujours. Encore et toujours. Ouais. Donc Sam qui a peint les ouvrants. Donc du coup, tu as pu remonter l'ensemble des ouvrants. Et donc du coup, tu as rééquipé tous les cadres de vitres. Ouais. Mais surtout, tu as changé tous les joints. Tout, absolument tout. Tout est neuf, custom. Le client nous a fait changer l'intégralité des joints, alors c'est pas une mince affaire. Non, là-dessus, non. Il faut déposer tous les custodes, tous les équipements de vitres. Enfin, voilà, c'est plus un voile de peinture, c'est un démontage intégral. Là, pour le coup, s'énerve. Oui. Ok, et quoi d'autre là-dessus ? C'est à peu près tout ce que j'ai eu le temps de faire. Parce qu'au final, après, c'était plus sur les autres voitures. Donc, on a eu la Mustang Fastback 69. Où j'ai réparé les problèmes des feux arrière qui prenaient de la condensation. Ensuite, à la visite du client, exactement, la réception de travaux. Tout à fait.
Donc on a vu un certain nombre de petites choses encore qui voulaient que l'on... Que l'on refasse. Améliore, corrige, exactement. Etc. Mmh, des défauts. Donc ça, t'as repris la liste ? Ouais, il y avait justement les feux arrière. Ouais. Il reste juste les LED des panneaux de porte à changer. Ouais. Qu'on a, et puis il y avait une autre pièce qu'on attend, le support central des pare-soleils. Ok. Ça, et puis j'avais réparé aussi du coup le clignotant. Il y a une pièce qui s'était mise de travers dedans, enfin deux, trois petites bricoles comme ça. Ensuite, j'ai fait donc le SLK, la réparation du toit amovible. C'était drôle, stress. Ça aussi, ouais. Une journée de boulot juste que pour... Nous, on allait faire la vidéo avec Stéphane devant le château de Volvicante, là, ouais. Et on a voulu ouvrir le toit, il n'a jamais voulu s'ouvrir. Ouais. Enfin, il s'ouvrait... Ou pas comme il devrait. Ou le premier tiers. Ouais. Donc bon, on a découvert, tu nous raconteras ça, mais ouais. Ça n'était pas si grave que... Non, que ce qu'on aurait pu craindre. Ouais, exactement. Ok, puis après ? Ah oui, la Mercedes 450, donc démontage du pare-brise. On a vu que, comme toujours, entre guillemets, c'était un peu attaqué. Souvent. Oui. De la rouille un peu partout, donc on a tout traité, tout ça, rejointage, remis un pare-brise neuf. Mmh. Et pareil, j'ai démonté la lunette arrière, mais comme on ne sait pas encore si le client va la peindre. Exactement, donc j'ai pas remonté les chromes ni la lunette arrière pour le moment. Parce que tu as un pare-brise avant qui est collé avec l'accastillage clipsé. Ouais, et on a un vitrage arrière qui est jointé avec les accastillages embarqués dans le joint. Exactement. Ouais. C'est deux univers différents. Et puis, commencer à regarder, j'ai changé les enceintes intérieures. Et puis j'attendais juste le câble, parce que maintenant dans les autoradios, ils ne donnent plus les câbles pour les brancher, donc c'est pratique. Donc il a fallu que je recommande et puis pour lui mettre un poste autoradio après dedans. Ok. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Bon, après, toujours à droite, à gauche, hein. Aider les collègues ou les bricoles. Bon. C'est devant toi, hein ? Ouais. Donc là, tu t'en vas. Ouais. Du coup, tu me fais faire l'interview de la Week Story en milieu de semaine. Mais on est mercredi seulement, mais c'est pas grave. Oui. Bah, du coup, moi, ça fait une semaine et demie. T'es pas là demain ? Non. Ni après-demain. Et encore, j'aurais pu le prendre aujourd'hui. Hein, ni lundi. Parce que je me suis planté dans le truc, hein, c'est toi qui m'as dit. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Non, c'est pas assez. Bah, pour moi, c'est trop. Mais c'est Pâques, le chocolat, faut s'en remettre. Ouais, mais tu m'en ramènes. De quoi ? Pâques. J'ai un problème d'oreille interne tout d'un coup. Mais j'adore ça. Non, je te ramènerai. J'ai un bon chocolatier. Au lait ? Un petit lapin. Ouais ? Ok. Merci. Par contre, vraiment, blague à part, je vais vraiment t'en ramener. Donc sur ce SLK, on a eu malheureusement une mauvaise surprise. Le client est venu la veille, le toit fonctionnait à merveille. On l'a réessayé un jour plus tard et malheureusement il est tombé en panne, il bloquait complètement. Donc il a fallu voir le pourquoi du comment, on avait très très peur parce que souvent c'est très chronophage sur ces véhicules, beaucoup de complexité donc dans les armatures, tout ça. Le diagnostic donc qu'on avait préévalué avec David avant, c'était justement de voir le pourquoi du comment ses bras se pliaient. Parce que c'est pas le tout de changer toutes les pièces. Si on ne voit pas le pourquoi du comment la panne a été créée, ça ne changera rien. Donc après une investigation, un démontage partiel donc, du mécanisme pour avoir un meilleur accès justement à ces mécanismes, on a pu voir que justement c'était les bras de la plage arrière qui dessus est amovible justement pour laisser passer le toit, eh bien tapaient tout simplement à l'arrière du véhicule. Donc c'est une pièce en aluminium. Le problème qui arrive souvent sur ces véhicules, c'est à cause de la chaleur, l'aluminium se dilate. Il gonfle, il prend une forme et du coup il vient taper dedans. Et juste ça a suffi justement à tordre ses bras. Donc après, il a fallu donc redresser, refaire les rivets, toutes ces choses-là. Et maintenant, le toit fonctionne heureusement. Pour le tuto de la semaine, on va rechercher une teinte, en l'occurrence sur cette Mercedes Classe S. Donc le procédé pour recharger des teintes, c'est... Alors il y a deux solutions. La première qui est la plus simple, c'est de regarder sur le véhicule le code couleur qui est généralement indiqué sur les entrées de porte, compartiment moteur ou parfois souvent sur les allemandes type Porsche et tout ça, c'est dans les carnets d'entretien. Ou sinon on a la deuxième solution, donc c'est d'utiliser le spectro. Alors nous on l'utilise beaucoup parce que sur les voitures anciennes, il n'y a pas les codes couleur la plupart du temps référencés sur les voitures. Donc on se sert beaucoup du spectro, donc on vient flasher la teinte 5 fois. Donc il faut vraiment que la voiture soit, l'endroit de la flash, il faut vraiment qu'il soit nickel. Donc en général on met un coup de lustrage et ensuite on vient flasher notre teinte à l'aide du spectro. Et donc on se retrouve une fois flashé avec donc cette zone là, le spectro va venir nous donner une teinte. Alors ça peut être, donc là c'est une Mercedes, mais il peut nous approcher sur une teinte qui n'est pas de la marque.
Donc ça, c'est possible. Souvent, sur les voitures anciennes, en général, on est sur des teintes qui ne sont jamais dans la marque, hein, très rarement. Donc là, c'est une voiture récente quand même. Donc là, on voit bien que Spectro nous a donné teinte Mercedes, donc c'est celle du véhicule. Et donc là, à partir de ça, on va pouvoir monter notre teinte. Et là, on s'aperçoit que il n'y a pas que du noir. Hein. On se retrouve avec donc plusieurs noirs différents. Bleu, on a de la basamatée qui va nous aider à réduire cet effet de vue en flop. Et ensuite, on voit qu'il y a du violet. On a de la perle bleue, donc un acre bleu. Et ensuite, un peu de métal qui va donner que c'est un noir pailleté. Donc tout ça va falloir le monter correctement et là on est vraiment au dixième de gramme près, donc c'est très précis, il ne faut vraiment pas se tromper. Alors on pourra céder également des lèches, ce qu'on appelle des lèches, donc c'est des sortes de mini plaquettes en fait qui vont venir nous aider. On va pouvoir venir voir ce que nous donne le spectro sur la voiture directement et à l'aide de notre lampe de jour aussi qu'on a de chez SATA. Et voilà, ça est encore une aide supplémentaire. Et puis voilà, et après l'application de la peinture, du vernis, et tout ça se fait sur une tablette pour que la précision soit vraiment au top, quoi. Donc toi, Pauline, cette semaine, Rod. Je t'ai réajusté toutes les parties bois, tous les supports dedans, donc la partie arrière. On a contrôlé tous les panneaux de porte, les pieds A, les panneaux de porte, les pieds B. Tu as déjà commencé à garnir. Oui. Ça, c'est la partie arrière où ça cache la batterie et toute une partie de mécanisme. On a fait une trappe qu'on a déjà garnie là-bas. Donc ça, mardi, on remonte, on commence à remonter. Ouais. Moi, je remonterai tout l'arrière. Va falloir qu'on fixe les baguettes, parce qu'il y a des petites baguettes de finition. Mmh. Donc là, tu as fait la conception en deux teintes, sur cette partie-là, sur tes panneaux de porte aussi là-bas. Oui. Effectivement, il reste les petites baguettes en alu à fixer, et puis après, on remonte tout. Ouais. Mais t'as pas fait que ça cette semaine. Non, j'ai garni des morceaux de planche de bord de DB9. Oui. Donc il y a eu en amont un choix de cuir pour qu'on se rapproche. Comme on n'a pas tout changé, il fallait que ça se rapproche le plus possible du restant. Donc, en grain et en couleur. Voilà, donc on a trouvé un truc qui se rapprochait vraiment pas mal. Donc j'ai garni la casquette, quelques morceaux dessus de la planche de bord. Il n'y a plus qu'à remonter. Ouais, ça sera quasiment terminé, cette voiture-là. Et une fois que ça sera remonté, là, on va voir si vraiment il reste deux morceaux. Mm-hmm. Si vraiment les deux autres morceaux qui restent, ça jure ou pas. Normalement, ça doit aller. Après, tu fais un petit nettoyage, voilà. Un traitement cuir, et normalement, tout devient à peu près homogène. J'ai démonté la capote de la 306 cab. Oui. Donc, le mécanisme, il fonctionnait moyen. Et en fait, en dégarnissant, on s'est aperçu pourquoi. Les câbles avaient été complètement rongés par la rouille. Mm-hmm. Bah, y a plusieurs sujets. Les vérins étaient vides, il n'y avait plus d'huile. Mm-hmm. Il a fallu qu'on refasse les niveaux d'huile. Donc là, une fois que ça a été fait, ça fonctionnait un peu mieux. Mais ensuite, tu as eu des câbles qui étaient sectionnés, ce qui fait que ça n'emmenait pas tout ton châssis dans le compartiment et ça ne se refermait pas. Et quand tu as dégarni, tu as vu qu'une grande partie des tôles qui font le châssis sont complètement grignotés. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est la maladie de cette voiture. Parce que celle que j'avais fait avant, c'était pareil. Exactement, au même endroit. Donc, Xavier te refait tes petites parties tôles. On a recommandé tout ce qui est câble, tout ce qui te manquait en accessoires. Et donc, la semaine prochaine, tu remontes. Ouais. Nouvelle capote, nouveau ciel de toit. Ouais. T'as fini la capote de la traction ? Oui. Elle est livrable. Enfin, Sam doit peindre le pare-brise, mais toi, c'est livrable. Un petit peu sur ta CX. Ah oui, bah en fait la CX, quand je suis à l'arrêt sur certains projets, comme par exemple quand je dois attendre Xavier ou quoi, je me mets sur la CX puisque c'est un projet qui est très long.
Donc on ne va pas m'attendre au niveau de la sellerie. Oui, alors donc, que l'attraction est livrable fin de semaine prochaine, celle-ci est livrable fin de semaine prochaine, donc c'est vrai que on s'est speedé un petit peu sur toutes ces voitures-là. Donc dès que j'ai un petit temps mort, hop, je me mets sur la CX, donc récupération de tous les petits boutons. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup ça, hein, ça a été très long. Oui, mais introuvable, ouais. J'ai pas réussi à te les trouver. Et puis je crois que... Je crois qu'on a fait le tour. Quand on refait une capote, donc la première étape, c'est de vérifier son fonctionnement avant de le dégarnir. Une fois qu'on a vérifié son fonctionnement, donc si elle fonctionne parfaitement, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas bien, on doit, en dégarnissant, chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc en l'occurrence, là, la 306, moi, c'était des câbles qui étaient sectionnés. Après, aussi les vérins qui manquaient de liquide. Et voilà, donc le but c'est de... Le but c'est de dégarnir cette capote tout en ne pas endommageant, ça se dit pas. Tout en endommageant pas le mécanisme et voilà. Là, t'es sur la planche de bord. La planche de bord, ouais, de la Panhard, toujours. Ouais, donc pour toi, cette semaine, c'est Panhard à fond. Panhard à fond. De lundi à vendredi soir. Ouais. Donc là, tu commences seulement, enfin, t'avais déjà dégarni toute ta planche de bord. Oui, un petit peu. Tu désassembles tes parties de dessous. En tissu, oui. Et puis, tu vas commencer à préparer ça aujourd'hui. C'est ça. Et donc, sur le reste de la semaine, tu as préparé La banquette arrière. Donc, débité. Assemblé et garni. T'avais fini de réparer ton support ? Enfin, de refaire tout ton support ? Oui. T'avais déjà mis toutes les toiles fortes, t'avais déjà tout remis ? Tout avait été fait déjà un peu... j'avais commencé déjà un peu la semaine dernière. D'accord. J'ai fini l'assise lundi. Mm-hmm. Et puis après, j'ai attaqué dans la foulée débit, assemblage, garnissage. Et garnissage. Voilà. Bon. À toi, une semaine, un sujet. Voilà. C'est simple, hein ? C'est ouais. Cool. Bon, ben bah, voilà. Ça, c'est une housse de protection pour un accoudoir de Jaguar, parce que le client de la Jaguar, il était très satisfait du travail effectué, donc il a demandé à ce qu'on lui fasse une housse de protection pour pas que son chien raille l'accoudoir, voilà. Donc je me suis inspirée d'un modèle qui existe déjà dans le commerce. Je l'ai un petit peu adapté pour qu'il s'adapte à la forme de l'accoudoir, parce que l'accoudoir est un petit peu en forme. Donc voilà, doublé, il tient avec des petits élastiques. J'ai fait la petite encoche pour qu'il puisse continuer à ouvrir avec la protection. Et puis bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Juste changer cette pièce-là, je crois, et réparer les... Bon alors, Xavier... au saut du lit hein, ce matin. Je pense que t'es pas bien réveillé, moi non plus, j'ai pas bu mon café. Alors, tu es en train de te mettre en place. Donc là, oui, je viens de changer de voiture. T'as quasi fini. Ah non, enfin, non, j'ai quasi fini. Commencé. T'as quasi commencé, mais t'as... Ah oui, non, c'est l'autre TR4. Voilà, TR4 pour moi, là. oui, celle-là, tu la commences, pardon. Ouais. Celle-là, c'est la deuxième. Cyril avait déjà un peu travaillé dessus. Celle-là, c'est la deuxième, oui. Moi, donc, et là, celle-là, justement, t'attends une jupe. Oui. T'attends, oui, les pièces que vous êtes venu me demander cette semaine. Ouais. Ça y est, je raccroche les wagons. Ok. Donc là, bah, ouais, début de gros chantier en plus, là, hein, sur celle-là. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Enfin, je sais qu'il y a très gros chantier mécanique, mais toi, je crois que t'as quand même un peu... Elle est très pourrie, cette voiture. Ouais. Cyril avait déjà un peu travaillé dessus il y a quelques temps et... Donc là, tu vas continuer la reconstruction. Ouais, c'est ça. T'as bien avancé sur la Mustang. Oui, il ne me reste plus qu'un plancher à changer quand je le recevrai. Ouais, c'est ça, je crois que t'as fini. Toi, après, t'attends ta pièce. Ça. Donc t'as bouclé ce que t'avais à boucler. Vous avez travaillé sur la Pontiac pour le capot et l'aile. On l'a remonté définitivement. On a fini la partie carrosserie sur cette voiture. Grosse voiture. Ouais. Gros capot, très lourd. Oui, je vous ai vu à plusieurs dessus, ouais. Je préfère pour vous que pour moi aussi, c'est pareil. Aïe les doigts.
Et puis, là, vous êtes en train de reprendre la C3 qui est derrière. Ouais, il y a un problème. Un peu de finition de joint. Ouais, bah, c'est les joints, encore une fois, les joints refabriqués qui sont trop durs, les portes ferment pas. Donc, celle-là, on l'a repeinte il y a à peu près un an. Et on avait mis des joints. On espère toujours que les joints finiront par se tasser avec le temps, parce que ça arrivait avec les anciens, mais les refabrications, c'est vraiment pas bien. Voilà, alors attends, je vais prendre mon anti-sèche. Et la type. T'as et travaillé la type, sur la type. Ah oui, j'ai refait les réglages du capot et j'ai réparé. Des petits impacts trous, devant, t'as réparé. Ouais, il y avait des trous de rouille. On était passé sur pas mal de voitures. Ouais. Là maintenant tu vas te concentrer plus sur celle-là. Celle-là, jusqu'à temps que je reçoive le plancher de la Mustang. La Mustang. Ça marche. Bon je te laisse te réveiller. Allez, à plus tard. Oui, donc sur la TR4, il fallait réparer les ailes de devant qui étaient pourries. Donc j'ai simplement fait des rustines aux endroits où c'était pourri. Et puis j'ai repassé le bébé à Sam après pour qu'il termine ça et qu'il les peigne. Alors toi, Sam, moi, toujours mon anti-sèche, hein, parce que toi, en plus, t'as plein de lignes. T'as vu tout ce que t'as fait? Je sais. Hein? Vache. Voilà. Ouais, t'as vu? T'as fini une classe S. Ouais. On a fait classe S, on a fait pare-choc que David a préparé. Ouais. Pare-choc à l'arrière gauche. C'était des impacts, c'est quoi? Un peu des rayures? Il y avait des rayures, frottements sur le pare-choc avant et à l'arrière, je sais pas trop ce qui s'est passé, il y avait un accro, mais vraiment à ras du pare-choc, c'est bizarre. Donc là, elle est allumée. Donc là, c'est reparti pour un tour. Ensuite, GT4. GT4 qu'on a peint aussi, ouais, il y avait pareil, bas de caisse, prise porte. D'air, ouais, porte, et il y avait poignée aussi. Je crois qu'elle part, pour être filmée la semaine prochaine. Elle repart au PPF la semaine prochaine. Ouais. La Jensen. Jensen Interceptor, on avait fait la caisse. À la fin, presque. Ouais. Et on avait laissé un peu les ouvrants de côté, donc là on les a fait, ça y est, c'est fini. Donc il y avait les deux portes, ouais, il y avait tous les ouvrants. Deux portes, il y avait le haillon, capot, trappe à essence, il y avait pas mal de choses. La Panhard. Finir. Et la Panhard avec Cyril. Ouais, qui est en PU. Voilà, qui est prête à être poncée. Moi ouais, j'ai pas trop travaillé dessus, c'est plus Cyril. Son dernier ponçage. Mais je croyais que tu bossais là, si c'est pour te promener. Excusez-moi. Voilà. Donc elle est prête à être son dernier ponçage, normalement Là c'est le V3, ouais, donc là après polyuréthane. Après tu passes à la teinte. La Pontiac La grosse Pontiac là. Ouais. Alors ça c'est... Ouais. On se rend pas compte de la taille, mais quand elle est au milieu du garage, ouf. Mais quand tu la rentres dans la cabine, quand t'entends le bruit des caillebotis là, tu... Ouais, puis tu tournes plus autour surtout. Ouais, voilà. Ouais, il y avait l'aile avant. Xavier avait réglé le capot, parce qu'il y avait des problèmes de compas. Donc on a redéposé le capot pour justement gérer les compas. Et on a fait le traitement de l'aile avant, bah, du coup avec le réglage du capot. Mmh. Enfin, en fait, comme il y avait des rivets qui étaient partis, ça avait frotté l'aile. Vous étiez 3 ou 4 à pour le remonter. Bah, déjà, la taille et le poids. Ouais, parce que t'as la cinématique du capot qui rentre un peu comme les BM, là, c'est un enfer. Ouais. Mais c'est une trop belle voiture. Ouais. C'est impressionnant quand même. Ah oui, ça, impressionnant. Ouais. Et t'as fait Terre 4. Oui. Alors, on a traité en fait, t'as les fait ailes. Que des ailes cette semaine. Oui, ouais, il y avait les deux ailes avant de la TR4, on avait fait la caisse déjà en premier pour que Jérémy puisse la remettre sur son châssis. Et il nous restait les ailes, on a vu avec le client, mais là, ils étaient trop... Abîmés. Ils étaient trop abîmés, donc on a refait les deux ailes avant. Et donc, traitement intérieur aussi, on a refait le backstone à l'intérieur des ailes. Et puis, bah, réparation, Xavier avait réparé les ailes déjà en tôlerie. Oui, il nous a préparation, expliqué. Et puis voilà. Et là, elles sont prêtes pour la peinture. Bon. Et j'ai fait un cadre de traction aussi. Ah oui, le cadre de la traction cabriolet que Pauline a fait la capote. Puis c'est pareil, il a été ressoudé, c'était pas super top. Donc là, t'as repeint. Donc on a refait une préparation à l'étain à froid parce qu'il manquait carrément des morceaux par endroit. Donc on a refait ça avec du débrasel et puis là, c'est pareil, il est prêt à peindre. Ouais, et puis elle est livrable aussi la semaine prochaine. Voilà. Je dois aller voir Jérémy, mais je l'ai pas vu ce matin. Je sais pas. Pardon, j'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as les mains moites ou quoi?
Il te manque ton binôme, alors du coup, t'en échappes tes outils. Bon, bah écoute. Ouais, donc Jérémy est pas là aujourd'hui. Ah oui, il est parti chercher ses autres packs. Il est parti. Voilà. Donc on le revoit mardi maintenant. Ah oui, c'est férié. C'est férié. Merde. Et donc, on passe tout le week-end dans le jardin. À faire quoi? Barbecue. Ah, non. C'est un peu juste. Non, faut chercher les cocottes, faut chercher les lapins, faut chercher les œufs. Et faut surtout pas se prendre une crise de foie. Donc, et pas se prendre la flotte. Donc, cher rouleur, bah, passez un très très bon week-end de Pâques. Vive les cloches, elles sont très très bonnes en chocolat, noir de préférence. Mais, voilà, passez un bon week-end de Pâques.